du Presse de la semaine. Juste après, on retrouvera nos envoyés spéciaux au Gabon et en Guinée équatoriale. Ils nous parleront de la victoire hier au Ghana et la victoire hier du Ghana et de la Guinée dans le groupe B de la CAN. À noter que notre invité ce matin est le ministre mauritanien des Affaires étrangères. Il sera question de la réunissent aujourd'hui en marge du sommet de l'Union africaine, un sommet de chef d'État bien sûr. Au cours du 18e et du 19e siècle, des navigateurs ont rapporté en France la haine de Saint-Laurent, qui était peut-être maori de Nouvelle-Zélande, modifié, converti, tatouage. Ces dernières années, certaines ont été étudiées dans des buts scientifiques. Et avant le retour en terre maori, les résultats ont été présentés par des chercheurs lors d'un colloque au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et ce, en présence des délégués traditionnels maori. Les précisions d'Annie Scouchy. Monsieur Rochand, ça me semble que les Maoris ont débuté le colloque pour accueillir dignement les restes de leurs ancêtres. Mais avant que la loi française autorise la restitution du plus ancien crâne connu de l'ethnie maori, les scientifiques de plusieurs disciplines ont pu les étudier et ont tiré des informations utiles à la science et aux Maoris eux-mêmes. Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. Ça nous a permis d'apprendre que certains de ces individus étaient féminins, deux en l'occurrence sur peut-être rendus à la Nouvelle-Zélande, et puis également on avait des tatouages.